Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la playroom de l'épisode 2. J'allais dire Il Dangerous, je sais pas pourquoi. Non, de Lego Marvel The Avengers. Ou Lego Marvel Avengers, pardon. Très précisément. Bon, bah en fait, on cherchait un cube, et bah on l'a trouvé. Et on peut pas ouvrir la porte actuellement, donc. Ok, c'est très bizarre. C'est pourtant c'est par là qu'il fallait aller, non? Oh, la meilleure voiture du monde! Oh, puis il peut monter! Ok, bah on n'était pas encore arrivé en fait. Oh! Je comprends mieux! Hop! Dites-moi copilote, dites-moi copilote, dites-moi copilote! Eh ben non. Tant pis. Pem. Pem. Le Tesseract serait dangereux entre les mains de n'importe qui, mais Loki. Je n'ose pas imaginer de quoi il serait capable avec un tel pouvoir. Tu m'étonnes. Le dieu du mal pourrait s'en donner à cœur joie pour faire régner la terreur. Pourquoi veut-il le Tesseract? Son sceptre n'est pas assez puissant. Espérons que notre petite équipe d'experts pourra le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Oui, oui. Faut d'abord qu'ils se mettent d'accord sur un point. Ils sont tous du même côté. Enfin, si ça ne vous ennuie pas. Non, bien sûr que non. Elles sont vintage. Il m'a fallu 2 ans pour les réunir. Parfait état. Les coins sont un peu décolorés, mais... C'est vraiment un très grand honneur de vous avoir à bord. J'espère être à la hauteur. Vous l'êtes. Absolument. C'est vrai qu'ils ont besoin de ça un petit peu en fait, les héros, chaque fois. Qu'on croit en eux un petit peu. Oh! Oh là là. Agent Romanoff, nous revenons avec le Capitaine Rogers à bord. Nous avons besoin que vous prépariez la piste pour l'atterrissage. Ah, il y a du boulot. Autant être... sincère, il y a du boulot. Commençons par tout péter. Oh non, c'est pas possible! Vous pourriez éviter de renverser des barils d'essence sur le pont de l'héliporteur? Question. Faites attention, cette essence tâche beaucoup. À moins d'être habillé en noir, forcément. Ok. Question. Ah, il veut pas se transformer? Oh, il a de la chance, hein. Il a enfin trouvé le remède. Ok, donc on va récupérer des pièces, hein, même si on sait tous que ça ne servira à rien parce qu'on n'aura pas la quantité suffisante. Ne vous inquiétez pas, je vous demanderai soit les faire en live derrière, en fait, sur YouTube directement, vu que ça fera partie du jeu. En fait, c'est peut-être ça que je ferais. Je ferais peut-être les lives, des lives à la fin pour finaliser intégralement le. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Là, merci. Ah, d'accord. C'est ici. D'accord. Voilà. Ok, ça c'est bon. Crac. Non. Bon, ça, ça veut pas. Malheureusement, quand ça veut pas. Qu'est-ce que ça va nous ouvrir? Oh, un mini-kit. Une bonne grosse quantité de. C'est pas de mal à veille qu'un truc se poserait ici si on n'allume pas les lumières des rampes. Oui, certain.
Je sais que le Shield est très secret sur beaucoup de sujets. Mais je sais vraiment pas qui a eu l'idée de relier une des caméras de sécurité aux commandes des lumières des rampes. Hop. Welcome home, Captain America. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de la bannière d'accueil pour le Captain Rogers? Elle est chouette, non? En fait, toutes les voies du jeu sont mal gérées. Mais je crois que c'était un problème déjà récurrent dans les... dans les autres... Hop. Je vais pas dire version, mais presque. Ok. Hop, c'est la femme invisible. À quoi ça sert des pouvoirs, d'avoir des pouvoirs si la technologie fait les mêmes choses? Hop. Non, c'est vrai, hein. Hop, enfin bon, c'est comme mon avis, hein. Hop. Ok, tout ça c'est bon. Tout le contour est fait. À part les parties supérieures, pardon. À ce sujet, j'aimerais... commencer par ça. Hop. Crac. Ici on l'a pas fait. Et c'est bon. Maintenant. Qui par sa force et son courage sauvera l'Amérique. Ok. Hop. Il y a Stanley dans le coin. Ok. Hop, on me harcèle le message, mais c'est pas grave. D'accord. Ok. Ah. Oh. C'est la balayeuse. Oh, sang, si je préviens pas le Queen Jet qui peut se poser, le directeur Fury sera forcément Furax. Et ce sera ma fête. Fais fuir. Je veux dire, c'est sûr. Fais fuir. Il est con. T'es sérieux là? Oh! Non, je vais y arriver. Dépêche. Oh, banner! Je joue pas à qui est le plus con, je risque de gagner. What? Et tire la gueule! Bon, bah tant pis, j'ai pas le droit d'y aller. T'as pas envie d'y aller, toi non plus? Non, bah non, tu te casses la gueule comme un con. Ok, bah pourquoi pas alors? Bon, la zone centrale. Hop. Ok, ça c'est bon. C'est parti. Yo. Nouvel officier de signalisation aérienne du Shield. À votre service. Enfin, si j'avais pas perdu les drapeaux de signalisation du Shield. Et le prochain Queen Jet qui va pas tarder à se poser. Vous pouvez m'aider à les trouver? Non. Les drapeaux. Mais ils sont inatteignables pour le moment.
Ah bah non, maintenant elle peut le faire. Si seulement j'avais une sorte de... Je sais pas, de gadget spécial du Shield, capable de localiser mes drapeaux, ce serait vraiment, vraiment utile. Ok. D'accord. Là. 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 Et là. Est-ce que tu veux bien... Ah non, elle a pas loin. En fait, elle glissait dessus comme une conne. Ok. Hop. Ok. Et comme d'habitude, toujours aller voir derrière. Ah bah non, il n'y avait rien, je m'attendais à plus de choses, tu vois. Je me suis fait eu sur ce coup-là. Ok, donc ça je peux pas l'activer, pourquoi? Parce que je n'ai pas le personnage adéquat. Ok, et je ne peux pas faire le tour du vaisseau. Pour la même raison. Oh, quoique. Attendez. Vous avez vu ça? Ah merde, pourtant on a bien entendu Stanley tout à l'heure. J'ai pas rêvé. Non? J'ai rêvé? Est-ce que j'ai rêvé? Attention, ça m'a l'air d'une situation très périlleuse. Pourtant, on l'entend bien. J'ai oublié de faire ça aussi. C'est bon, problème résolu. Ou alors il est... Je sais pas où est-ce qu'il est. Je pensais qu'il était en dessous en fait là, vous voyez. Bon bah tiens. Vous les avez, ouf. Allez, c'est à moi de jouer. De signaler, plutôt. J'espère réussir à me souvenir de toute l'information. Je vous ai dit que c'était mon premier jour. Ouais. Allez, roule. Ah, c'est à moi d'aller prendre la truc, je pensais qu'il allait la prendre lui-même en fait. Ok. On bourre. Bourre. Ok. Voilà. Merci. Le pont est nickel. Tu vois même qu'il est neuf. Je savais pas qu'on pouvait se voir dans du béton. Je savais pas qu'on pouvait se voir dans du béton, qu'il est con. Wow. Ok. Qui par sa force et son courage sauvera l'Amérique. Rogers, madame. On vous attend sur le pont pour la localisation. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On a beaucoup parlé de votre découverte dans la glace. J'ai cru que Coulson allait s'évanouir. Docteur Banner. Ah, salut. Ils m'ont dit que vous viendriez. On dit que vous pouvez retrouver le cube. Et c'est tout ce qu'on dit sur moi? C'est tout ce qui m'importe. Ils ont choisi des voix françaises, des personnages qui sont très très proches des voix originales, enfin des voix françaises du film. Attention, ici l'agent Hill. À tout le personnel, regagnez votre poste pour le décollage. Je répète, tout le personnel doit... C'est très particulier d'avoir fait ce... Messieurs, vous devriez rentrer. Ça va devenir irrespirable. Est-ce que c'est un sous-marin? Vraiment. Moi, dans une boîte en métal immergée et pressurisée. Tu peux bien te poser dessus ou pas?
Ah, il est à moitié con, hein. Ok, bon, c'est pas grave. Hop, les... Ok, je comprends mieux maintenant. C'est parti. Bon. Point. Si c'est pas la classe. Pimpin. Point. Messieurs, on a un résultat. Un mec qui fait des grands signes. Stuttgart, Allemagne, 28 Königstrasse. Il ne se cache pas vraiment. Captain, à vous. Ah, oh, mon costume. Il voulait le garder, il est con. C'est génial, le coup du smoothie, c'est génial. Pas enfin, du milkshake. Qu'il est con. Ah bah oui, carrément. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe en vrai. Alors là, je suis un peu déçu. Ah si, là si. Si si, excusez-moi. Genoux devant moi. J'ai dit à genoux. C'est Stanley qui va se relever. Non. Pas question d'obéir à un sale petit mégalo. Regardez votre aîné, qu'il vous serve d'exemple. C'est la voix de Kaiba dans Yu-Gi-Oh en fait qui fait Loki. Le soldat. L'homme hors du temps. Moi, je suis hors du temps. Loki, lâchez votre arme et rendez-vous. Agent Romanoff, je vous ai manqué. Ah non, ils ont pas réussi à avoir les droits de... À toi de jouer. Votre soif. Oh, musicalement, c'est bon. Encore ? Raté, donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, on l'a raté aussi là pour le coup. Ok. Ouf. One shot. Faut qu'on récupère suffisamment de... Hop. C'est les personnages de pouvoir cosmique, d'accord. Okay. Ok. Je me dis qu'on va pas avoir encore une fois la quantité nécessaire. C'est. Bonjour. Oh, le shield. Ok, c'est tout. C'est tout. Oh, là il y a besoin d'électricité là-dedans. Mais j'en ai pas. Et là, je vois encore du bleu. Ok, là, je vois du crédit.
Ah la vache, si j'avais eu quelqu'un d'Hydra, j'aurais pu corrompre le... Non, c'est ça que ça veut dire ? Alors, moi j'aimerais récupérer suffisamment de crédits, s'il vous plaît. Aïe. C'est mon heure ! C'est mon heure ! Aïe, ça, ça fait mal. Ok, t'es nul. Ok, là je me suis fait botter le cul littéralement. Ok, deuxième fois que je me fais botter le cul. Ok, on progresse un petit à petit. On a juste un Loki qui nous court au cou. Voilà. Ah, maintenant on prend plein la gueule. Hein. Oh. Ok, alors je sais pas comment m'y rendre. Si apparemment il y a un machin rose, il faudrait que je construise avec un personnage capable de passer dans les tunnels. Captain America, tu pourrais faire quelque chose s'il te plaît? Marche pas? Marche pas apparemment. Pourquoi? Comment se fait-ce? D'accord, ça c'est les rockers. Oh, je peux prendre un vélo si je veux, c'est ça? Oh là, c'est quoi ça? Hop, dégage. Ok, c'est très bizarre. Non, je voulais prendre un vélo. Non, donnez-moi le vélo. Oh. Non, pas la statue. Fille qu'il est con. Non, moi je veux le vélo. Ok. Ok. Boum. Non. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, faut pas que je fasse trop de dégâts, vous voyez, sinon à chaque fois je rentre dans ce truc là et je me fais avoir. Non! Ah, c'est chiant! Vous tomberez tous avant moi. Je veux mes sous! Que tu le veuilles ou non, je veux mes sous. Hop là. Donne-moi mes sous! Ah, je vais pas les avoir. Aïe. Il n'y a ni trône ni version de l'histoire où vous gagnez. Oh merde! Voilà! Ok, ça c'est bon. Ok. Aussi. Aïe.
Bonjour. Et il se barre. Merde. Ah non, il y en a deux. 3, 4, 5, 6. Fuite. Ok. Ok. Vous voyez, je vais avoir récupéré un maximum de choses quand même dans cet épisode. Mais pas suffisamment encore, semble-t-il. Ah, là, il va me falloir un autre personnage apparemment. Aïe! Trouver le vrai, non, c'est ça? C'est quoi le bordel? Ok, d'accord. Ok, c'était toi. Non, jamais. Aïe! Ça fait mal! Aïe! Tiens, bouffe! Hop là! Oh, il a un coca! C'est con! Drapeau blanc! Non! Il a parlé. Pas ça! Pas un mot! Allez, ramenez-le! La forme! Vous êtes dynamique pour un vieux. Fury ne m'a pas parlé de vous. Oui, il vous cache beaucoup de choses. Le mid-check. Aïe. Ok. Où est le Tesseract? Je te croyais mort. M'as-tu pleuré? Comme nous tous. Notre père. Ton père. Père. Écoute-moi bien. J'écoute. Je suis tout ouïe, normalement, c'est ça qu'il dit en français. Je les connais pratiquement par cœur, les films. Ça vous dépasse, homme de métal. S'il renonce au cube, je vous le laisse. En attendant, dégagez. Touriste. L'insulte. Touriste. Normalement, il saute sans parachute, hein. Voilà pourquoi. Ah non, il saute avec un parachute, exactement. C'est vrai. Dans le premier, il saute avec un parachute. C'est encore le même niveau? Oui, cool. Hop. Pour vous, ça fera un niveau un peu plus long, hein, c'est tout. Hop, il y avait un canon ici. J'aurais dit que c'était un canon plus qu'une... Bol d'araignée, enfin plus qu'une araignée en tout cas. Ok. Peut-être la voir cette fois-ci. Ah non, c'est pas tout, c'est ça. Ok. Hop. Ok. Il y a des fions partout quand même. Ok. 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 Oh là, il y a un paquet de petits gris là. Ça rapporte pas grand chose, mais bon, vu leur nombre. Crac. Ça veut rien dire, mais c'est quand même ma quatrième vidéo de la journée, je me sens au taquet. Franchement, ce jeu me galvanise littéralement. Véritable Avenger. J'adore les jeux Lego. Hein. Franchement, je suis un grand fan des Lego en règle générale. J'ai pu avoir beaucoup de chance quand j'ai rendu visite à ma meilleure amie. C'est un petit peu ma vie réelle, chers amis, mais c'est pas grave.
d'aller au Lego Store, je crois que ça s'appelle. Hein. Ah mince. Bah alors. Oh mais il est où? Bon, faut que je... Ah d'accord. Ok. Je pensais qu'il fallait le recommencer à chaque fois en fait. C'est elle que vous portate ces draperies. Merde, c'est elle que vous portate ces draperies, il est con. Ça suffit. Oh le fight. Oh c'est génial. Franchement chers amis, regardez ça. Regardez ça. Ce jeu est d'une epicness. Posez ce marteau. Okay. Non non. Non c'est des araignées, c'est bel et bien des araignées, hein. Elles sont juste très très moches. Je ne suis même pas là, Ouluglan. Ok, 2 sur 5. Mère, c'est elle que vous portez, ces drapeaux. Il fout la forêt à feu, elle sent pour rien, lui. Champignon de Mario. Rien ne m'a semblé se débloquer au moment où j'appuyais dessus. Excusez-moi. Oh, génial. Ah, apparemment, il y a quelque chose à dire par là. Ah, il faut que quelqu'un qui soit capable de creuser, effectivement. J'avais pas vu. Je n'avais point vu. Voilà, je vais faire attention, j'ai vu l'araignée là-bas. Là, il y a un personnage. Voici des renseignements. Bon courage. Donc, c'est un tunnel, apparemment, encore dedans. Sur 5. Là c'est le personnage avec des pouvoirs psychiques, voilà. Ça j'ai reconnu. Ah ça, mince, excusez-moi. Hop. Voilà. Ok. Pas. C'est pas doré ça, donc techniquement. Non, apparemment je me trompe. Oula, ça peut être bleu par là. Hack. Qui par sa force et son courage sauvera l'Amérique. Aïe, trop lent aussi. C'est une tronçonneuse. C'est sérieux là? Hop les. Oh là, le coup de la tronçonneuse quoi. S'il avait été dans le film, ça aurait été tellement plus épique. Boum. Ah. Non. Aïe. Boum. Aïe! Boum! Hop! Troisième, quatrième araignée, je crois. Et cinquième à gauche. Ok, j'ai les deux. Oh, cool! C'est génial. Ce jeu est génial. Hop les. Allons voir. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok. Parfait. Hop les. Il y a là un pont. Loki qui nous fait signe.
si c'est pas génial. Ce jeu est vraiment génial. Il est vraiment génial. Vraiment, 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 j'adore. Je crois que vous voyez, il doit me rester genre 3 succès à faire sur, sur Super Heroes. Je crois que je vais aller les faire peut-être en live ce soir, tiens. Ah non, parce que j'ai pas avoir beaucoup de montage avec les 4 vidéos de... 4 vidéos de... De Lego Marvel, donc 3 plus que maintenant. Hein. Enfin, ça me fait à peu près 7 vidéos à monter ce soir, donc je suis pas rendu. Peut-être demain soir ou après demain soir. Ah non, quand j'aurai fini mon contour de live, vous verrez ce que je veux dire quand je parle de ça. Boom! C'est un paratonnerre, c'est ça? Non, même pas. Waouh! Waouh! De l'aéron matériel! Littéralement, hein. Ok. Le Iron canon. Le Iron obusier. Ah non, le Iron lance Iron Man. L'homme boulet de canon. L'homme d'acier boulet de canon. Hop. Ça va faire mal. Dégagez. Boum. Bing bing. Ça suffit. Hein? J'ignore vos intentions. Je suis venu mettre un terme au projet de Loki. Prouvez-le. Posez ce marteau. Ah non, il aime pas faire ça. Pose ce marteau. Hop les. Eh oui, le vibranium ne vibrant pas. Plus le coup imposé dessus est fort. Oh la scène. C'est réglé. Les oiseaux qui tombent. C'est là qu'on voit les limites entre guillemets de l'univers Marvel, c'est que le vibranium ne vibre pas. Du coup, en fait, tous ces atomes sont denses, hein, sont immobiles, donc extrêmement impossible à briser. Donc, il n'y a rien de plus dur que le vibranium. Bruce Banner, Captain America, Iron Man, MK6. Ça en fait du personnage. Non, je suis désolé, ça m'a pas trouvé encore. Continue l'histoire, pourquoi pas. Même s'il est peut-être commencé à être long là. Oh Loki. Salut les mecs. J'aime pas lui. Il est con. Oh, on a un problème. Pour clarifier les choses, si vous tentez de fuir ou même rayer cette vitre. Merde. Une chute de 10 000 mètres. Dans un piège d'acier. Fourmis. Bottes. Ah, qu'il est con. Il est attachant, finalement. Thor, à quoi il joue? Il a une armée, les Chitauri. Il veut les mener contre les vôtres. Ils lui offriront la terre en échange du Tesseract. Et il s'est Oublions Loki, il est salement fêlé, il respire la maladie mentale. Vous étiez au courant de ça? Loki a perdu la raison, mais c'est mon frère. Oh. Loki, ils veulent des glaces au chocolat. Il a été adopté. Bon. Prenez un week-end. Je vous amènerai à Portland. Ah, c'est sympa. Pourquoi ils ont besoin d'iridium au juste? Un stabilisateur. Je suis le seul à l'avoir lu. Sans rancune, tu dépotes. Vous êtes cinglé. Menacer la sécurité à bord n'a rien de drôle. Et régler les problèmes, monsieur Stark. C'est pas ce que je fais. Pourquoi Fury ne nous a pas appelé avant? Que garde-t-il pour lui? Fury cache des choses. Je devrais enquêter quand mon décrypteur aura craqué leur fichier sécurisé. Oh.
Je crois pas qu'on devrait fureter dans le dos du directeur Fury Cap... Captain Rogers, monsieur. Alors ça c'est une plateforme de sauvegarde. Ça va en avoir une dans le coin, non? Ah non, on est dans un menu au côté. Bon bah parfait. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. On peut retrouver dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver le lien vers ma chaîne Twitch et vers mon partenaire GameSpot.com qui m'a gracieusement offert Fallout 4, Mad Max, Star Wars Battlefront, mais aussi Agatha Christie's The ABC Murder, sur lesquels vous pourrez trouver des prix encore plus intéressants que les prix Steam sur les différents jeux que vous pouvez retrouver dans le catalogue Steam du coup. Encore une fois, merci à eux pour votre confiance en moi et merci à vous pour votre sympathie et votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. J'aurais préféré avoir Captain America, mais bon, avoir Iron Man, même Tony Stark. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Oh, ça fait du mal par où ça passe. Hop les. Salut. Bon, on va y refaire bien. Ok, t'éviteras de te casser la gueule la prochaine fois. Voilà. Salut. Hop. Et hop.